saluer Radio Télé Guinée et nous remercier nous de présence nous dans Radio A dans ce constance malheureuse. Effectivement, Radio A moulé et en pile dommage dans du fait ça et qui était déclenché dans le voisinage nous. Et puis, bon, malheureusement, pompiers pas étant venus à l'heure pour le venir. Et près de 2 heures après que après Léo, que nous venons. Et c'est pas même pompier Port-au-Prince qui arrive en premier, c'est pompier Delma. Donc c'est ainsi que ça arrivait. Et pompier Port-au-Prince n'a appris que l'LT s'est déplacé, il a cherché côté radio. Et on dirait que c'est en Pétionville, il a appris à chercher radio. Et puis finalement, son patrouille policière Caldeo qui fait retourner et qui fait venir là. Mais là, ils viennent tout, enfin, ensemble pompiers, ils prennent le temps pour te déployer le matériel. Yo. Et puis entre-temps, et du feu à lui-même, tu as fait travail. Mm-hmm. Alors, monsieur Dandé, souffle l'introduction. Du feu, c'est urgence. Chaque minute qui passe, c'est désastre. Donc, il faut une capacité pour intervenir. Oui. Donc, bon, nous connaissons dans le pays qui vit, nous ne pouvons pas souhaiter, nous ne pouvons pas attendre nous, à une réaction. Et nous sommes capables de dire, normal, tant que ça fait dans notre pays, mais quand même, c'est énorme, c'est considérable. Et le monde va disparaître en moins que ça. Donc, 2 heures de temps. Et c'est terrible. L'évaluation, il faut que nous fassions de Kaela. Pour nous connaître si Kaela doit écraser net. Ou bien si toi, tu nous vas refaire feu net, parquet, tout le bagage. Donc, nous pouvons connaître. Ça, c'est ingénieux pour dire. Deuxièmement, nous pouvons faire évaluation équipement. Pour nous connaître exactement qui équipement qui perdu. Nous pouvons faire évaluation données, archives. Quelles que soient les conditions, pour nous retourner dans l'air le plus tôt que possible. Mm-hmm. Okay. Nous ne pas sortir pour nous être dehors, trop. Okay. Ouais, ouais. Donc, nous avons fait ça capable, même si c'est bout de fil nous coller, pour nous recommencer le travail. Nous avons une bonne obligation pour ça, parce que nous avons un travail à faire qui est utile au pays. Hein. Nous avons un contrat nous, pour nous quimber, et nous avons tout profité de. Caméra avec micro pour nous dire comment dire. Prends patience. On a fait ça capable pour nous retourner et continuer par le service. Et ça a toute importance. Dans les médias, on connaît. J'ai une question publicité difficile, c'est temps-ci. Et puis, nous avons l'autre obligation tout, et par rapport à personnel. Nous voulons qu'il et nous ne voulons pas débaliser. Et puis, c'est vie, nous tout, c'est passion. Nous. Donc, il n'est pas question que nous sommes dehors longtemps. Mais c'est près d'une centaine d'employés. C'est-à-dire, je compte employés radio, employés télévision, employés et dans le site. Et nous avons même 3 sites. Vous comprenez? Et puis, employés en province. Donc, c'est une grande famille. Et mandé par intermédiaire, surtout si là, qui va pour le prince. Et Kembela, nous allons lâcher prise dans le fédéral. Nous besoin un pays côté l'État a des catastrophes pour rien. Vous comprenez, grand expert pompier qui était là hier, il dit nous, quand côté du feu a des brûlés, pas nous, pas de brûlés, parce que son bail en 7 minutes, il était capable de résoudre. Mais 2 heures de temps. Comme un jour, le monde va disparaître en 2 heures de temps. Ouais, tremblement de terre, combien de secondes? Quelques secondes. Il est fait. Donc, ce pays, nous, pour nous organiser. Et de ce côté-là, nous ne sommes pas capables, complaisants. Faut que l'argent, ressources, l'État, servent pour organiser le pays. Nous avons besoin de bons pompiers et nous avons besoin de bonne distribution de pompiers à travers le territoire. Pour que si y a un problème là, que le pompier est capable de arriver dans les 5 minutes. Le CPJ est venu, ils ont fait les premiers constats et puis pour les premières informations. Et puis il y a tout. Et
et commissaire gouvernement. Oui. On a profité du tout que le Premier ministre vient deux fois. Et nous remercions. Le président de la République, là, personnellement, parle avec moi, par l'intermédiaire du ministre Culture et Jean-Michel Lapin, et qui t'est passé le téléphone. Le président parle avec moi pour le présenter une sympathie. Nous remercions. Et puis ensuite, il y a le ministre de la Justice, Jean-Oudi Ali, qui était là. Il y a le DCPA, inspecteur général, Karl-Henri Boucher. Et tout le monde est venu. Et nous avons bien apprécié la présence. Accueilli dans la joie le 6 janvier 1942 à l'évêque, zone de Dérat, par les époux Hiram Boula et Anne Examina Alphonse, qui, comme le 25 juin 1942,
1972 à Petit-Bois. Après 16 ans de ministère sacerdotal, respectivement à Jacmel, à Villanère, à Soto, à Pétionville, ce fils de l'évêque est nommé évêque de notre diocèse de Jacmel le 27 février 1988 par le pape Jean-Paul II. Il est ordonné le 15 mai 1988. Il s'entendit dire par le consécrateur principal, Monseigneur Paolo Romero, recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. 21 ans plus tard, le 19 mars 2019, le pape Benoît XVI le nomme évêque du diocèse des Cannes. Son ministère dans ce diocèse est de courte durée, puisque le 12 janvier 2011, un an après le séisme, le pape Benoît XVI fait encore appel à lui pour diriger l'archidiocèse de Bordeaux-Bresse. Souriant, je tape un coup d'œil sur le blason épiscopal de Mgr Poulard, où sont écrits ces mots combien significatifs. Fleuri là où Dieu t'a planté. Donne au démon Dieu planté. Le 10e archevêque de Bordeaux-Bresse a construit cette cathédrale transitoire dans le but d'édifier pour cet archidiocèse dont il a reçu la charge dans les circonstances que nous connaissons. Le passage au Caire a fait le pont entre la construction du diocèse de Jacmel et la reconstruction de l'archidiocèse de Bordeaux-Bresse. Monseigneur Poulard ne demandait rien et ne se refusait rien non plus quand il s'agissait de la mission. C'est-à-dire, nous savons tous que Monseigneur Poulard a enduré les souffrances de sa maladie pendant 2 ans environ. Mais nous ignorons peut-être combien elles furent longues, ces souffrances, pour Haïti, qui peine encore à se relever de cette fratricide, de la misère, de la dévalorisation de la terre, de la corruption et des maux de toutes sortes. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas pour la cause de l'Évangile, des souffrances pour la cause du pays. Certaines sont visibles, d'autres non. La passion, c'est-à-dire l'amour que nous portons pour le Christ, ne doit en rien s'estomper face à la passion qui est la souffrance. L'homme ou la femme qui souffre pour le royaume de Dieu et sa justice ne perd pas sa paix. La couronne qui ne se détruit pas lui est réservée, car Dieu reste fidèle à sa parole. Paul en a la certitude. Si nous mourons avec le Christ, avec lui, nous vivrons, écrit-il à Timothée. Si nous supportons l'épreuve avec le Christ, avec lui, nous règnerons. Le
croyant ne criera jamais sans fin vers le Seigneur, ses prières seront exaucées. Autour de mon Seigneur Poula, nous venons de chanter le psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Le cri est le signe de la prière, dit le pape François. Un signe d'espérance, disait saint Augustin. Et l'évêque Zipon explique que cette profondeur de nos cris, cet abîme, est celui du péché. Je viens, au nom de la famille Poulard, partager avec vous quelques témoignages concernant le passage sur cette terre de notre regretté, Monseigneur Guir Poulard. Quand on dit qu'on en va chérir, qu'une mort véritablement foudroyante vient d'entrer de Guira Poulard et de Madame Anne Examina Alphonse, Monseigneur Poulard a vu le jour dans la localité de l'évêque, une zone de Lélac située dans les hauteurs de Tigouave, le 6 janvier 1942. Après ses études classiques, il a opté pour devenir un bon pasteur, s'attribuant aux missions d'annoncer l'évangile au peuple de Dieu. Il était aussi une personne humble, modeste, un vrai combattant, un grand travailleur. Il s'occupait non seulement des gens qui l'entourent, mais aussi de ses animaux et de ses plantes. Il connaissait presque par cœur la position de chaque nouveau fruit de son jardin et également chaque oisillon qui vient de naître dans son basse-cour. Autant vous dire qu'il était un ami fidèle et un défenseur de la nature. Cette belle création que Dieu nous a confiée pour que nous en prenions soin pour la jouissance, moi bien fidèle et sincère pour la nature. Cependant, cet amour ne s'arrêtait pas là, comme l'aurait fait un poète romantique. Il avait aussi un amour sans limite pour les gens, les citoyens, les démunis, les oubliés qui n'ont pas eu la chance de profiter de ce beau cadeau que le Seigneur leur a légué. Car leurs conditions économiques et sociales leur a privé de ce grand bonheur. Monseigneur Poulard avait toujours un petit mot d'espoir pour ses derniers. Et en conséquence, il rappelait souvent aux autorités leur devoir de tenir compte de cette affreuse réalité qui lui a valu souvent de faire face au mécontentement de la plupart d'entre eux. Doué d'une grande bienveillance, il était toujours prêt à un service, à apporter du sien dans tout ce qui se révélait important et nécessaire pour le bien-être de tout un chacun. Au dire de ses frères, il s'était toujours montré méthodique, dévoué. Il était doté d'une sagesse qui n'excluait pas pour autant sa fermeté. Ma présence en tant que ministre des Affaires étrangères et des cultes est pour témoigner, dans le cadre du concordat, le bon rapport entre l'État haïtien et l'Église catholique d'Haïti, mais aussi et surtout la solidarité personnelle, la reconnaissance de la nation entière envers cet homme qui a œuvré avec passion et conviction patriotique au service de son pays. L'homme, c'est l'être pour lequel le temps est une dimension
selon la vision du philosophe allemand Heidegger. Dans cette dimension du temps, unissons-nous pour rendre notre vigueur hommage au charisme, à la bonté, au courage et au sens de l'engagement de Mgr Théo Poulard. Toute une communauté est en deuil, particulièrement l'Église catholique d'Haïti. Son heure, en tant que pèlerin sur la terre, a sonné le 9 décembre 2018. Une longue maladie qu'il a chrétiennement supportée l'a enfin poussé à prendre le chemin de toute la terre, le chemin de l'orient éternel, le pays inconnu dont aucun voyageur ne revient jamais. Au cours de son pèlerinage terrestre, Mgr Poulard a mobilisé beaucoup d'énergie et de bonne volonté. Il invitait toujours les fidèles à vivre selon le commandement d'amour et à s'engager résolument dans la société haïtienne avec les valeurs évangéliques. Son passage pour l'éternité, où il y a absence du temps, a également mobilisé beaucoup de prélats, de fidèles catholiques, beaucoup d'haïtiens de bonne volonté, toutes confessions religieuses confondues, ainsi que les plus hautes autorités du pays. En témoigne cette grande assemblée éplorée dans la cathédrale transitoire qu'il a bien voulu construire. Toute sa vie, cet illustre peuple prélat ne demandait qu'à aider les autres à approfondir leur foi en Christ et à vivre en frère. Mgr Poulard a été un apôtre, un bâtisseur, un amant de la nature, un environnementaliste, un annonciateur scellé de l'évangile de Jésus-Christ. Il luttait sans relâche pour la construction d'une Haïti nouvelle, juste, démocratique, réconciliée et prospère. Son témoignage de vie, les fruits de sa longue mission au service de l'Église, dont son endroit de vie, avec sa devise épiscopale, donnée côté mon Dieu par Théo. Frère Maximio, en nous apprenant côté mon Dieu par Théo, surtout sous terre d'Haïti, c'est une seule façon, et une plus bonne façon, donc à honorer et songer, mémoire mon Seigneur Poulard. Ce prélat a apporté une contribution inestimable à la promotion des valeurs humanistes en Haïti. Fervent défenseur de l'éthique dans les pratiques humaines, il cultivait et encourageait l'éthique théophile, condition sine qua non pour le vivre ensemble. Nous célébrons véritablement la vie d'un homme qui a servi fidèlement son Église, avec le plus haut sens élevé de l'épanouissement, avec force de caractère, de conviction, d'orthodoxie et d'orthographie. Le pays a besoin encore d'hommes et de femmes aux valeurs éthiques de conviction, de citoyenneté et de responsabilité. Thank you.
milieu de cette foi, je m'y supporte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En signe de respect pour vous, Monseigneur Pierre Roulard, voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec votre prière. Et des fils et des fils et des fils.